Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez donc du coup, le 1er mars, on avait sorti une vidéo qui s'appelait le... Le 1er avril bébé. Oui, le 1er avril, pardon. Dametokosita Challenge. Donc celle-là, c'était moi qui l'avais fait. Mais quelques jours avant, un jour ou deux avant, Momo l'avait fait. Sauf que le jour où Momo l'avait fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire exactement. Mais j'avais trouvé que la vidéo était quand même pas mal dislikée. Je me suis dit même à ce moment-là, et j'étais en plein live, j'ai dit putain, est-ce que c'est un gros mot en espagnol ou quoi ce délire? Les espagnols viennent complètement disliker la communauté française ou quoi? C'est quoi ce bordel de dislike? Et le lendemain matin, quelques jours plus tard, ou le lendemain matin, je me rappelle plus exactement l'écart de ma vidéo et celle je de Momo. Le lendemain. Ouais, le lendemain alors peut-être, j'ai sorti la mienne. Ou, bien sûr, avant de la refaire, certains abonnés m'ont dit « Tonton, ça veut dire quelque chose de chelou. » Parce que j'ai vérifié les espaces commentaires de la vidéo de Momo. Ils m'ont dit « Tonton, en espagnol, Dametokosita Challenge, c'est pas halal, quoi. » Donc, je suis allé vérifier par moi-même avant de la faire. Et puis, j'ai vu que ça voulait dire « Donne-moi ta petite chose. » Bon, jusqu'à là, je me dis « Bon, bah ça va. » Et en faisant le Dametokosita Challenge, en regardant ma propre vidéo au montage avec l'IA, je me suis rendu compte, en fait, que les danses, elles étaient assez... bizarres. Sexuel. Et en plus, ça voulait dire donne-moi ta chose. Donc j'ai compris tout de suite la petite perversion de la danse. Et j'ai compris tout de suite pourquoi certains dislikaient. Parce que certains qui me regardent parlent espagnol, hablent espagnol. Donc forcément, ils comprennent ce que ça veut dire. Et ils savent que c'est pas terrible ce que ça veut dire. Donc forcément, c'est pas très propre de le faire. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entre vous m'ont dit ouais, fais-le faire à Sarah. Et on avait prévu de le faire avec Sarah. Sauf que quand j'ai su ce que ça voulait dire, je pense que récemment vous avez pu voir que j'ai dit déjà que j'aime pas beaucoup faire passer les filles de ma famille sur YouTube. Elles aiment bien passer, mais je les fais passer de temps en temps, pas trop souvent. Et surtout, sur un truc aussi pervers, c'est hors de question. Et c'est je pense que vous aussi, si vous êtes des gens de valeur et de principe, vous trouveriez ça normal qu'on fasse pas passer une petite jeune femme, surtout avec les pervers qu'il y a sur Internet, pour faire du comme ça. Et pour faire du comme ça, voilà. Je pense qu'à partir de là, vous trouvez que c'est totalement, totalement normal. D'accord, voilà. Bébé, il faut que tu évites de faire ça. Pourquoi? T'as grossi. Oh, je t'emmerde déjà. Okay. J'ai pas grossi, c'est juste... Non, mais c'est juste que... Il était rien. Voilà, c'est tout. Il a pris un peu de là. Ah, arrête. Hier, attends, vite fait une aparté. Hier, il était assis sur son siège, j'étais à côté. Et il touchait sa brioche comme ça, il touchait ses bourrelets. Il me disait, oh, ça va pas du tout là. Là, ça va pas du tout. Bref, on a oublié quand même de vous demander des likes. Mettez bien cette vidéo en avant pour que beaucoup de chaînes se rendent compte de ce que ça veut dire et surtout que beaucoup de gens évitent de mettre leur petit frère ou leur petite sœur sur des trucs comme ça. Un like, un cheveu en plus pour Abdel. Donc likez. Non, donc voilà, par rapport à ça, c'est vrai qu'à la base, on voulait que Sarah le fasse parce qu'elle avait... Et à la limite, je me suis même dit que tellement que ça plaît, on va le faire même en Norhen. Je te laisse continuer. Voilà, donc à la base, on voulait faire à Sarah parce que beaucoup nous disaient « Ouais, fais-le à Sarah, ça serait marrant, etc. » C'est vrai que ça aurait pu être marrant, mais quand tu sais la signification, ça l'est beaucoup moins. Donc on a dit à Sarah... Sur tous les gestes. Même Sarah, elle aurait kiffé le faire parce que ça les fait rire, les petits, de faire ça. Mais quand tu connais le fond du truc, bah... T'as pas forcément envie de le faire à une enfant. De toute façon, voilà, je suis en train de regarder vite fait. Là, je me souviens que moi, je l'avais fait le 1er avril. Oui. Voilà. Et Momo a dû le faire ouais, un jour avant. Et je sais que moi, bah, si vous mettez la vidéo du 1er avril où c'est moi qui le fais, donc voilà. Si vous mettez à partir de 20 secondes, vous allez voir que j'explique en fait la signification de ce truc-là. Voilà. Non, Momo, il avait fait ouais, un jour avant. Donc voilà, ouais. Momo, il avait fait un jour avant. Moi, je l'ai fait le lendemain matin. Sachant que celle de Momo a fait 428 000 vues. Elle avait hyper bien marché, il n'y avait pas de bug. Moi, le lendemain matin, je me suis frappé les bugs avec la vidéo des abonnés viennent filmer chez nous avec 75 000 vues. Et juste après, heureusement qu'il y a la dame Cosita qui a bien relevé le bail. Avec 213 000 vues, j'ai vu que ça avait énormément plu aux gens, que ça avait été beaucoup regardé. Et si j'aurais voulu faire des vues, j'aurais quand même fermé les yeux sur ce délire-là. Je l'aurais fait faire à ma petite cousine. Je l'aurais fait faire à ma petite sœur et j'en aurais profité parce qu'il y a eu encore la suite de la danse de Dametokosita et je l'aurais fait moi, je l'aurais fait faire à Momo, je l'aurais fait refaire à ma cousine et je l'aurais fait refaire à ma petite sœur. Ça m'aurait fait en gros deux vidéos, ma cousine, ma sœur, ça m'aurait fait faire une vidéo moi avec la deuxième partie de la danse, Momo, ma cousine et ma petite sœur, ça m'aurait fait six vidéos. Et pendant l'espace de deux jours, j'aurais pu sortir une de Dametokosita tous les deux jours. J'aurais pu vraiment me faire beaucoup de vues et comme diraient certains, haters, beaucoup de fric. Sauf que non, il y a quand même un minimum.
les gosses, il faut quand même faire attention. Moi, j'aime bien faire passer ma petite sœur et tout ça. Parce que moi, j'ai surtout, enfin, surtout beaucoup de problèmes avec les filles, parce que je sais qu'il y a beaucoup de pervers sexuels. Et surtout avec les filles, j'ai des problèmes. Donc, c'est pour ça que les filles de la famille, j'essaie vraiment de les mettre sur le côté. Surtout ma petite sœur, ma cousine, elle a bien grandi, tout ça. Je me dis, c'est une petite femme, ça va. Mais ma petite sœur, surtout, elle, j'hésite de la mettre beaucoup sur le côté. Même si elle veut souvent faire des vidéos avec moi, elle veut souvent rigoler, elle veut souvent bah, vous faire des coucous. Vous... Tu vois, pour eux, c'est des... vous voyez, c'est une merdeuse. Pour elle, c'est beau, c'est magnifique le monde d'Internet. Elle sait pas tout ce qu'il y a dedans. Mais voilà, en tout cas, moi je lui dis, je lui explique un petit peu les bails. C'est pour ça que de mon côté, là, j'ai pas du tout voulu pour ma cousine et pour ma petite soeur. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu du tout qu'elle le fasse sur la chaîne YouTube. Voilà, et surtout pas qu'elle pète un million de vues avec ça, quoi. Non, voilà, surtout que ma petite soeur et ma petite cousine, ça aurait pu grave buzzer. Deux petites filles qui font de mon côté, croyez-moi, c'est un million de vues les deux vidéos. Facile. Et non, par contre, non, non, non. Parce que vous savez que dans les 1 million, il y aura pas que des honnêtes citoyens comme vous qui vont la regarder. Tu voulais rajouter un truc? Non. Voilà, vous savez à mon avis tous les pervers qu'il peut y avoir sur Internet. Donc je pense qu'on ne devrait pas se priver à cause de ces connards qui ont juste été mal conçus, hein, les pervers sexuels. On ne devrait pas se priver non plus de faire des fois des vidéos avec la famille, avec des femmes et tout, parce que juste il y a des gros connards pervers derrière leurs écrans, d'accord? Parce que bon, les pervers, ils regardent des films tous les jours, ils regardent des séries, ils regardent la télé tous les jours, ils regardent Claire Chazal commenter le journal de TF1. Bon, elle n'y est plus, mais elle y était, je crois. Ou elle y est Oui, encore? elle n'y est plus. Elle n'y est plus, mais elle y était. Bref, ça fait pas, c'est pas pour autant qu'elle se faisait pécho dans la rue, tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord? Donc on peut quand même vivre, mais je trouve qu'il faut quand même réduire le nombre de passages. Oh, mais Voilà. Internet, c'est pas comme la télé, hein. Oui, je sais, mais c'est pareil, c'est un écran, c'est derrière un écran. Donc ça revient à la même au final. La personne, tu l'as pas à côté de toi. C'est pareil. Bref, donc voilà. Moi je dis que pour ces gros pervers qui ont été mal conçus, on ne devrait pas s'arrêter de vivre. Mais on ne devrait pas montrer trop les filles et de façon assez, comment on dit, comment ça s'appelle? Dénudé. Dénudé, voilà, ou pas bien habillé en tout cas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour plus de vidéos. Et puis voilà, maintenant vous savez à mon avis ce que ça veut dire de mon casseta. Ça veut dire donne-moi ta petite chose. Et je pense que quand vous avez un martien qui fait des dons sexuels, quand il dit donne-moi ta petite chose, il parle pas d'un petit biscuit. Voilà. J'ai du problème aujourd'hui avec le français. Quoi? J'ai des problèmes avec le français. Pourquoi t'as dit quoi? Des Biscuit? petits biscuits. Après, je Oui. dis j'ai des problèmes. Non, mais biscuit, comme si t'avais Biscuit. un accent. Bref, en tout cas, De voilà, toute n'hésitez façon, au pas. fond, t'es un blédard, quoi. Ta gueule. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était GameX13 et l'IA. Oui, la plante verte, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, vraiment, on compte sur vous. Et à la partager un maximum, ça ferait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, ma femme? T'es énervé? Tu m'en veux parce que je dis plante verte? Non, mais je ferai plus de vidéos avec toi. Je rigole, ma Ou petite je resterai à plantouille. côté Je de toi, mais je parlerai rigole. pas avec toi. Je rigole, mon cœur. Je rigole. Je rigole. Mais je rigole. Mais je rigole. Allez, t'énerve pas. Non, je ne parle pas. Allez, dis au revoir aux abonnés. Elle a fait ça, la meuf, pourquoi tu fais ça, D'accord, là mec? je suis une plante verte. Une plante verte, ça a des feuilles, ça parle pas. Ah, d'accord, ça a des feuilles, ok. D'accord, j'ai compris, t'es pas mort. T'es qui toi pour me faire un bisou? Tu crois comment ça s'embrouille, moi? Ça veut dire quoi, ça? Rien. Espèce de petite française prétentieuse, là. Espèce de petit bougnoule prétentieux. Bref, allez, prenez soin de vous, la mif, à très très bientôt. Ciao! Ciao! Ah, commence pas là, putain de tara, je vais t'en coller une. Tu la mettras pas avant Mais je de peux pas te la mettre sur le terminer. visage. Je peux pas, ciao. I told you, take my hand through the flame.